Envoyez-moi l'équipe. C'est bizarre parce qu'on n'avait pas la pression, on n'était pas sur l'étoile et on n'a pas su se libérer dans ce match-là. On a fait une première mi-temps décevante dans le positionnement, on était trop bas. On avait l'impression qu'on craignait cette équipe alors qu'il fallait jouer beaucoup plus haut et que les consignes étaient de jouer beaucoup plus haut. Donc on a essayé de remédier à ça à la mi-temps, mais on s'est mis en difficulté en prenant ce deuxième but qui est absolument inadmissible. Alors après, ça a été difficile, on a manqué de lucidité face à une équipe qui a eu plus de maturité, disons, pour gérer ce genre de rencontre. C'est ce que je vous dis, on a mal géré, on s'est mis dans une situation difficile en ne se montrant pas efficace, puisqu'on a 2-3 occasions, malheureusement on n'y est pas. On prend ce deuxième but qui est, comme je vous l'ai dit, qui part de coup franc et qui est vraiment inadmissible, parce qu'il y a un joueur, je crois qu'on est 5, et au milieu de. Et pour deux joueurs de l'étoile. Et ensuite, et on a plus ou moins déjoué, qu'on n'a pas su rester simple, ballon au sol et aller vite vers l'avant. J'ai l'impression qu'on a été. Pris par l'enjeu du match. Moi, je vous dis, je n'ai pas reconnu mon équipe par rapport au dernier match que l'on a fait, y compris à Metlaoui, y compris contre le Stade tunisien. C'était bien, bien meilleur dans le jeu. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas su élever notre niveau. Le mot-car, le mané, qui est très bien, je trouve que le physionomie dans le match. مركينا رجع في صفيصه قبلنا بونتو معناها حتى سور لو بلون مورال نجم ندخل بعضنا زيد من بعد كارتون روج نورمالمون نجم في العادي معناها نجم الماتش يهرب من ايدينا والحمد لله معناها شفنا رياكسيون دورغوي نتاع الملاعبيه شفنا برشا سوليداريتي وبرشا قلايب اي سورتو انتر جرون بغداد بونجيح اللي مره اخرى معناها يجاوب على الانتقادات يوري اللي هو ملاعب ممتاز صحيح بعد ساعات يمر بفترات فراغ مي سي ان جور تري ديسيزيف رغم الظروف المقابله الصعاب ورغم تشجيع الجمهور ورغم الامور اللي شفتها الكل اني فرحان اللي اكثر من الفائده انه الفريق عرف ينتصر فرحان اللي الفريق عرف ينتصر في الظروف الصعيبه هذه كانت فرصته الاخيره باش الفريق هذا يعبر اللي هو فريق ينجم يراهن على البطوله احنا مقتنعين من اول نهار اللي عندنا فريق ومن احسن فرق المتواجده في البطوله التونسيه اليوم اثبتوا على الميدان اللي طوال فريق كبير ويستاهل باش ينافس على البطولة الدولية.